Bien pis Clémentine, c'est Prodeo. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur on va peut-être baisser un peu le son, sur Alien Isolation. On continue pour notre 15e épisode en live avec, avec YouTube. Et donc là on était, pour ceux qui ont suivi un peu les épisodes, on était actuellement donc dans le Sébastopol toujours hein, et on était à la recherche. C'est un vent que tu m'as mis. On était à la recherche de je sais pas quoi. En gros, fallait join. Il y a quelqu'un là-bas. C'est chelou. En gros, fallait join. Je sais plus pour quelle raison d'ailleurs. Fallait join le Marshall. Si, parce qu'il se faisait attraquer par des droïdes qui étaient devenus méchants. Voilà. Alors, maintenir clic droit. Appuyer sur S. Hop. On continue. Ok. Bon, donc là, je sais pas où on est. Les escaliers là, je vois des escaliers, on va les prendre. Voilà. Salut, on se connaît? Non, mais ne viens pas sur moi. Parfait. Peut-être qu'on peut se soigner au passage. Ah, je peux pas en fabriquer, ça veut dire que mon inventaire est plein. On va en prendre un. Hop, on va se soigner. Et là on va fabriquer le dernier. Voilà. Parfait. Alors ça, et on va reprendre peut-être notre lance-flamme. Apparemment, si je me trompe pas, normalement, hein, dans notre épisode là, on avait juste battu l'alien qui s'était replié dans de sombres recoins de l'espace. Bah écoutez, ça me semble relativement intuitif si c'est par là. Donc on va peut-être essayer. J'ai pas le souvenir d'être passé par ici, quoique peut-être. Alors, clic droit, S, go, continue YouTube. Si on était passé par là. Voilà. Ah non, c'est pas passé par là. On n'était pas passé par là YouTube. Fusil à pompe. N'était tout simplement pas passé par là. Alors là ensuite il faut que je passe par là j'imagine. C'est quoi ça? Un détecteur? Ça sert à quoi? À quoi ça peut bien me servir? Mon inventaire est plein en fait. Le problème c'est que mon inventaire est plein. Là je pense que ça devrait quand même pas mal vider mon inventaire. Enfin j'espère. Cocktail Molotov, je peux plus. Je pas avec le fusil à pompe, le détecteur, je pense que c'est, ça me sert à construire des trucs. Donc là, je ne sais pas où on va, YouTube. Je ne sais pas où on va du tout. Il n'y a pas de trappe ici, là. Je sais pas où on est, du coup. Où est-ce que je suis? Où suis-je? J'imagine que là, je peux toujours pas passer. On va peut-être regarder, mais... Je crois qu'on est retombé à peu près proche du Marshall. Je pense. Tu verras vers ta mort. Tu vas vers ta mort, tout droit au goulag. J'espère pas. J'espère ne pas mourir, parce que cette fois-ci, je n'ai plus rien pour tricher. Donc si l'alien revient, ou... parce que je le sens bien qu'il va revenir, là, l'alien. Ou alors qu'il va en avoir d'autres, tu vois. Genre, et forcément, l'histoire peut pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on fout? Lui, il est vivant. Il avait les yeux allumés. Là, il y a un truc, un conduit pour passer, mais il va où? Trouver un chemin alternatif? Enfin, je pense que c'est ça. Techniquement, ça devrait être ça, si c'est logique. Ouais, je t'invite à aller join le serveur carte si t'as envie d'en savoir plus sur les... On est chez le Marshall là? Yes. Parfait. Oh, j'avais pas vu, mais on a une vue super belle sur le vaisseau. Waouh. YouTube, trop beau. Faudrait qu'on discute de ce qui s'est passé à San Cristobal. C'était pas beau à voir et je comprends bien que tu veuilles pas faire de vagues et que ce soit géré le plus vite possible. Mais je veux m'assurer que tu fasses rien d'irréfléchi. Je veux dire,
choper le spécimen vivant. Si on la joue finement, on pourrait s'assurer des jours heureux. J'ai des contacts, Waits. Je peux arranger ça. T'es plutôt jeune, Waits. Tu peux pas faire ça indéfiniment. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire quand Sébastopol fermera? Et on sauvegarde, parce qu'on sait jamais, hein. On peut se faire attaquer par un droïde à tout moment. Terminé. Et là, on fait quoi, là? Là, c'est quoi notre objectif? Faut revenir vers là-bas. Rip. Rip, ils sont tous morts. Les androïdes les ont massacrés. Pourquoi, putain? Pourquoi? J'en sais rien. Mais Samuels doit le savoir. Samuels? Pourquoi? Waits lui a demandé d'accéder à Apollo. Il faut que je le trouve. T'as vu Taylor ou Marlowe? Non, non. Ils sont pas ici. Très bien. Ricardo? Ricardo, si je pars à la recherche de Samuels, tu peux gérer cet endroit. Tu seras mes yeux et mes oreilles. Hors de question que je reste ici. Ricardo, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux t'occuper de la station et assurer mes arrières? Ricardo? Ouais. Bien sûr, pas de problème. Reste ici. Verrouille les portes et laisse entrer personne. Occupe-toi de me guider. Ricardo, je reviendrai te chercher. C'est carrément le mec qui va mourir, quoi. C'est carrément le mec qui est le prototype même de « tu vas crever ». On peut peut-être rentrer dans des endroits où on n'était pas allé avant. Là on y était allé. Là on y était allé. Là on y était allé. On était allé un peu partout en fait. Donc bah voilà, je pense que là on est bon. Et du coup là on va où là? Je dois aller où? Samuel se dirigeait vers le Sixth Sanity. Vous devez le trouver. D'accord. Et je peux pas réouvrir la porte. Salut! Salut à Anto, salut Anto et Byphone, bienvenue à vous. Je suis plus fort sur R6, clairement je suis plus fort sur R6. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là il n'y a rien non plus. Bon écoutez, je sais pas. Soit je repasse par tout le chemin que j'ai fait, soit je tente de rouvrir cette porte, mais je pense qu'elle est ouverte, vous voyez, c'est devenu vert. Quelle somme. Quelle somme absolue. Là on devrait... Je sais pas où je suis. Si techniquement c'est bon. On devrait passer par là. Salut! Salut Igalchi, bienvenue à toi. On se connaît? Recharge, 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 recharge. J'ai failli plus rien avoir. Ah putain, j'ai plus de munitions de fusil à pompe. Oh là 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 là. Je suis obligé de passer au revolver. Oh la loose. Alors là, du coup, je dois tourner ici. Non, mais c'est un vrai labyrinthe, hein. Le problème c'est que j'entends encore des bruits genre, vous savez un peu les bruits d'aliens quoi. Là. C'est ça hein. Fouillons les cadavres. Carburant. Vide. Et les cadavres encore. C'est assez glauque comme jeu de temps en temps. On se connaît et c'était destiné, oui, oui, plus ou moins, bah, les deux, en fait, à Anto, à Ricardo, Oh, je suis fatigué. Toi. À toi, Pierre. Mais tu meurs. Oh putain. Tu te faut combien de balles pour te tuer? Ok. Oh putain, mais il y en a deux. Ouais, bah non, on va pas s'entendre. Ni toi, ni moi. Putain, mais. Allez, recharge. Voilà. Oh, bah dis-moi. Il leur faut des balles. Ça prend la grosse tête, mais n'importe quoi. C'est même plus un alien, c'est un cache-cache maintenant. Bah c'est un peu ça, ouais. En fait, du coup, le jeu en fait a totalement changé à partir du moment où on s'est débarrassé de l'alien. Parce que du coup, on est juste à se battre contre des droïdes. Mais en soi, les droïdes sont beaucoup moins dangereux que l'alien, dans le sens où les droïdes ils sont mortels. L'alien. L'alien il est immortel, c'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux contre lui, l'alien ne mourra jamais. Ça, j'ai l'impression d'entendre des bruits, mais ça me fait flipper en fait, mais je sais pas d'où est-ce que ça vient. Il a dit il faut prendre un transit. Bon, on va sauvegarder la partie quand même, on sait jamais. Ricardo Gassure, tellement le Gassure. Salut Nathan, bienvenue à toi. Alors, on va mettre ça là, on va sauvegarder. Clac.
Et là, donc là, c'est lequel? C'est le premier ou le deuxième? Le premier. Allez, on va appeler le transit. Bon, là, je me fais pas trop de soucis. Si y a quelqu'un qui vient, c'est que c'est vraiment la loose. Il peut se soigner avec son doigt? De quoi tu parles? Qui peut se soigner avec son doigt? Alors, tout est annulé. Pire que la SNCF, ça existe. Ça existe, mais pire que la SNCF, je pensais pas que c'était possible. Pire que la SNCF en grève, quoi. Apollo... Les endroits où je suis pas allé. Ah. Secrète, il va rien comprendre, là, clairement, ouais. L'alien, en quoi l'alien peut se soigner avec son doigt? L'alien, l'alien est invincible. L'alien, il fait ce qu'il veut. L'alien, on s'en fout. L'alien, il est parti dans l'espace. Il n'y a plus d'alien. Voilà, maintenant, je suis là à me balader... Simpson synthétique. Confinement du danger. Apparemment, j'ai gagné un succès. Je pense qu'on passe au chapitre suivant. Même dans un jeu, je prends les transports en commun. C'est quand même la loose. C'est quand même la loose. Ce jeu, c'est la loose. Absolument la loose. On est où là? Je crois qu'on arrive à une station assez sympa. Pop pop pom. Et ça me dit pas où il faut que j'aille. Bon, on va voir. À qui? J'aurais dû parier. Ricardo, il faut que tu te concentres. T'es responsable maintenant. T'es responsable. T'es plus un enfant, Ricardo. Pourquoi? Une salle faite de cadavres? C'est la merde. Non. Concentre-toi, Ricardo. Si Samuel s'arrive à consulter Apollo, il pourra calmer les androïdes. Je suis allé où là? Il m'a toujours pas dit où est-ce qu'il faut que j'aille. On en aura enfin fini. Objectif mis à jour. Allez, donne-moi mon objectif là. Dans Sixon Synthetics. Bah, c'est là, Sixon Synthetics. Les RATP du vaisseau vous informe quelque. Là, il y a un colis suspect. Genre, ça, c'est un. Genre, ça, c'est un colis suspect, tu vois. Donc, tout le trafic est interrompu sur l'ensemble de la ligne. Alors, Sixon Synthetics. Je sais pas où je dois aller. Là, clairement, c'est fermé. Donc, je peux passer par là. Là, on va croiser des humains ou un truc comme ça. Genre, je pense que le gameplay est quand même bien pensé. Sixon Synthetics. Putain, je sais vraiment pas où faut que j'aille. Hein. Tout droit. Et là, il y a un ascenseur. Voilà. Salut, salut Thibaut. Bienvenue. Alors. En fait, on ne fait que se balader entre des niveaux. Moi qui me posais la question au début du jeu, pourquoi est-ce qu'on peut se balader un peu partout? En fait, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, on revient sur nos pas tout le temps, en fait. En soi, c'est astucieux parce que ça permet de rallonger un peu le temps de jeu sans pour autant demander plus de. On va où là? Pourquoi c'est en vert? Traitement du fluide synthétique? Oh là là. Eh, mais je sais pas où je suis là, mais ça me rassure pas. Ripley? Oui. Il y a une alerte qui sonne dans les labos pas très loin. Les ascenseurs sont HS. On dirait que les synthétiques de Sixon n'apprécient pas trop leurs camarades de la Wayland Yutani viennent fouiner. Comment je monte? Va falloir grimper. Il y a un conduit de service dans le bois qui mène à la cage d'ascenseur. Un mot de passe? Oh, vas-y, il me saoule là. Je suis sûr le mot de passe il est là-dessus. Ça me paraît très logique. Ça a changé Arma. Ah, totalement. Pourquoi c'est marqué Arma et pas marqué Arma pourtant? Alors, 8-3-8-2. 8-3-8-2, bah écoutez, on va tester le 8-3-8-2, hein. Peut-être qu'il y a un truc super cool à aller voir là-dedans. Alors, 8-3-8-2. Pop, pop, pop. C'est peut-être ça en fait. Ouais, c'est bon. Et bah go alors. Yep. On va aller voir ça tout de suite. Là, je vais pas me faire électrocuter deux fois. J'ai déjà fait électrocuter une fois, ça va suffire. Oh lolo lolo, mais où est-ce qu'on est là? Ça va s'effondrer ça. Ça, je... Moi, je... Le game sense, je le connais. Putain. Non mais, ça va s'effondrer, c'est sûr.
De toute façon, il n'y a rien de l'autre côté, vous voyez, on peut aller nulle part. Ça mène nulle part ce truc-là. Ça mène nulle part. 1, 2, 3, 4. Ah non. Bon bah mon game sense c'est mauvais. Et ça fait peur hein. Faut pas être faut pas avoir le vertige hein. Mais c'est dégueulasse la sensibilité là quand tu montes. Allez. Ah bah voilà, ça va s'effondrer. Ouais, ça bouge en plus. Voilà. Alors, ça va hein? Pour aller dans un ascenseur, ça va, c'est plutôt facile. Faut monter là. Ah, montons là. Et là, tu vois l'alien comme ça qui sort. Ça m'aurait. J'aurais pu être un grand méchant dans mon gameplay, mais heureusement, je suis pas scénariste. Alors, du coup, là, on doit aller tout droit. Bon, bah, on va tout droit. Salut Strava, bienvenue à toi. Salut Kalimuchu, bienvenue à toi aussi. Bah je sais pas, les mecs ils sont dit on va laisser l'échelle ici. Salut, moi c'est l'échelle. On voit un peu rien là. Ça mène à rien ça. Bon maintenant je me sers de ma lampe. Parce que bon, je vois que on gagne beaucoup de trucs au niveau de la lampe. Ça fait longtemps qu'on a vu personne là. Ça va, c'est absolument pas glauque comme ambiance. Au secours. Bon, en même temps, c'est pas glauque, mais en fait, le... Oh, il y a un droïde. Là, là. Lui, là. Lui, il va se réveiller. Ça va désactiver. Mais voilà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Je t'ai mis mini EM dans ta gueule et t'es pas foutu de mourir. Oh là là. Bon. Ça fume. Ça va fumer, tiens. Ricardo, j'y suis. On dirait que les synthétiques viennent ici pour mourir. Oh là là. C'est quoi cette ambiance de merde là? Urk. Urk. Mais c'est dégueulasse. Je veux pas mourir. Putain. Allez, go go go. Moi, je sauvegarde, je m'en fous. T'aurais pu faire un live révision. J'aurais pu. Non mais là, j'ai pas streamé très longtemps. J'aime pas du tout cette ambiance. Regardez-moi ça, il y a plein de droïdes. Et là en face, il y en a un et comment voulez-vous que je contre? Je peux pas me déguiser en droïde. Oh, mais c'est dégueulasse. J'aimerais bien me déguiser en droïde, mais je peux pas. Qu'est-ce que c'est que ce bord? Mais mec, ils sont tous... What the fuck, quoi. Éteindre? Bof. Je suis obligé. Bon, moi, je crois que je suis obligé. Salut Kev, bienvenue à toi. Dépressurisation, je doute. On voit rien, on voit que dalle. J'aime pas du tout cette ambiance. Mais alors quand je dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. Parce que autant... Comment on recharge déjà? Ah ça c'est bon. Une pile de la lampe torche. Alors accès de terminal, est-ce qu'il y a un truc à faire? J'imagine que oui, sinon ce serait... Bah non. Que dalle. Ici le cadre de Sixon, Ransom. Je viens de me réveiller, et là je découvre un lambda dans ma suite. Quand je lui ai demandé ce qu'il foutait, il s'est jeté sur moi. J'ai carrément dû quitter l'appartement, putain. Ouais, c'est un mec qui a de la thune et il était pas... va pas à la fin. Sur le champ, gardez ces choses sous contrôle. Je veux un rapport complet au plus vite.
déverrouiller la porte. Oula. Oula. Bah j'ai éteint niveau d'électricité trop élevé. Mais j'ai éteint qu'est-ce qu'on me demande de faire? Bah là, déverrouiller la porte, c'est bon, ça c'est fait. Et on a perdu là, la trace de l'autre débile. De l'autre crétin. Faut vraiment que j'aille tout là-bas, hein. Je ne sais pas où je vais. Une cape d'invisibilité. Alors, ça m'avait manqué ça, tiens. Hop, hop, et hop. Malheureusement, non, c'est triste. Non, le jeu est sympa en vrai. Hein. Le jeu est très sympa. Tout ça pour ça. Ah, franchement, là, c'est la déception absolue. D'accord. C'est la déception absolue. Hop, là, y'a rien. Que dalle, que dalle. Je sais pas où je dois aller. Ce jeu, en fait, il y a des moments où c'est très intuitif et d'autres où, genre, on... J'ai un peu du mal à cerner ce qu'il faut faire. Voilà. Ouais bah meurs, mais en silence s'il te plaît. Oh là là, qu'est-ce que je fous ici quoi. Bon là je crois que c'est bon. Putain il était venu mourir en fait comme tous les autres. Bon je crois que la porte c'est bon, elle est ouverte là. Voilà. Des bisous, bisous Maria. Il faut... T'as dit quoi, il faut cuivre. Faut cuivre les gros câbles au sol. Faut couper peut-être. Faut apprendre à parler à ce moment. Bon d'accord. C'est trop simple. L'accès au transit Apollo est strictement réservé aux cadres et aux synthétiques. Il va mourir lui, ça c'est sûr. Allez, un autre moyen de parler à Apollo. Niveau de confinement pathogène Omega. Toutes les permissions sont annulées. Je n'ai pas le temps pour ça. Oula, il va mourir. Tuer. Attendez, là, je suis en train de rater une fight. Bien, bien. Lui, c'est un ami, je crois. Nice. Bon, du coup, on a buté, je sais pas quoi, je sais pas comment. Les gros câbles au sol pour couper le courant. Ouais, faut les suivre. Bah, merci, c'est un peu tard. Mais merci quand même. Une crise d'asthme. Qui fait une crise d'asthme? Personne ne fait une crise d'asthme. Alors attendez. Là ça mène à un endroit de merde. Trouver sa meuf. On a le droit d'en parler ou pas? Genre. Juste 30 secondes là, parlons-en un peu. Tous ces droïdes là qui sont là à me regarder. Est-ce qu'on a le droit d'en parler un tout petit peu, du style ça me fait peur? Ok, partager. Zéro rendez-vous, le mec il avait rien dans son planning. Bon bah écoutez, on va continuer. J'ai rien pour les buter les mecs. Non, il n'y en a aucun qui a les yeux allumés, mais je le sens venir gros comme une patate de maison. Bon bah par contre je peux rien faire, je dois aller où? Trouver Samuels. C'est peut-être pas le... Si, je pense que c'est logiquement pareil qu'il faut y aller. Trouver une issue pour sortir de la salle d'exposition. Une issue pour sortir de la salle d'expo. Une issue. Une issue. C'est pas évident. Il y a peut-être une trappe au sol. Une issue. Attendez, trouver une issue pour sortir de la salle d'exposition. Des synthétiques. Ça sert à rien. La porte ici elle est fermée. Les droïdes, techniquement ils peuvent rien faire tant qu'ils sont pas allumés.
Bah une issue, oui. Moi ça me frappe pas plus que ça qu'il y ait une issue. En tout cas pas dans la salle en question. Et ici je doute qu'il y ait quoi que ce soit. Et dans le truc qui est écrit apparemment c'est vraiment dans la salle d'expédition. Ouais, non mais c'est mon lance-flamme qui fait énormément de bruit. Y'a pas vous avez pas une idée les gars? Personne n'a d'idée? Ouais, vous savez quoi, j'ai une idée moi. Ça réveille personne. Je suis en train de gaspiller des balles pour rien. Ça me saoule de pas trouver. Je ne sais pas où c'est. YouTube, aidez-moi. C'est pas une trappe au sol. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, j'ai bien regardé au terminal, hein, y a rien. Suzanne, ma chérie, je vais devoir remettre ça pour plus tard. Nanana, bon, c'est un mec qui a pas pu être là à son date. Speeding, je m'attendais à ce que les VIP arrivent tôt. Bon, mais ça, on s'en fout. Je peux rien faire d'autre, hein. YouTube, trouvez-moi une solution. Et là, la porte, elle est techniquement, elle est fermée en fait. Bon bah écoutez YouTube, là je sais pas quoi vous dire. Allez, fouille, j'ai fouillé tout, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Fouille, c'est mignon de dire ça, mais je ne vois pas où est-ce que. Il y avait un truc là, non? Kaamelott. Ici. Je peux faire un cocktail Molotov. On va pas se gêner, vous savez quoi? Hop. Mais vous n'avez pas pris rendez-vous. Ça c'était sûr. Ils sont tous vivants. Ils sont tous vivants, c'est sûr. Ils sont tous les yeux allumés là. Ça devait m'arriver. Je suis pas un bolos, vas-y, tu me critiques pas comme ça. T'as vu un truc ici? Ah, GG les gars. Vous avez des bons yeux, hein, parce que moi... Putain, mais j'ai plus rien pour me défendre, je peux même plus prendre mon revolver, quoi. Prendre une mini EM, pas trop le choix, hein. Putain, regardez là. Un rendez-vous est obligatoire. Oh putain. Putain. Fais-moi ça! YouTube! YouTube, au secours. Putain. Là, c'est le moment, je savais que ça devait arriver. C'était évident que ça devait arriver. Alien Isolation, à mon avis ils arrivent, bah sans déconner. Le seul truc que je peux leur prendre c'est un cocktail Molotov. Peut-être t'es faire dégager. Et là, oui bah, je fais ce que je peux, hein.
Lis le STP. Alors. Putain, les mecs, ils sont vulgaires. Hein. Ok, bon. Moi, je cherche une carte d'accès. Pile à lampe torche, d'accord. Cocktail Molotov. Inventaire plein. Mini EM. Oh là là, là ça veut dire que ça va être le battle final là. Revolver. Là on me donne tout plein de munitions. Là. Je théoriquement je suis censé être content. Mais bizarrement c'est pas trop le cas. Cocktail Molotov. Mini EM. Ok. Recharger, bah voilà, hop, la lampe torche. Non mais là ils sont pas, ils sont pas, pardon. Toujours pas la carte d'accès. Alors attendez, parce que là faut que je trouve cette carte d'accès. Je peux pas courir par là, je me fais buter. Mais ils ont séché. Ils brûlent plus. Je fais rien, je suis pas là les gars. Ah putain, ils sont combien? 1, 2, 3, 4. 3, 4. Si j'en ai tué quand même quelques-uns. Oh, oh, oh. Ce sera gentil, je suis pas très intéressé par ta proposition. Oh putain. Ça va. Je maîtrise la situation, 100% maîtrisé YouTube. Vous avez peut-être une carte d'accès? Ah bah oui, bien sûr, là, c'est la première question que je me pose. Vous avez forcément une carte d'accès, les gars? Je pense que je l'ai prise, la carte d'accès. Mais... Wouah! Eh ben, YouTube, là, c'est plus... C'est hot. Ça devient hot. La vise à la tête, ça les tue plus vite. Bah voilà. Ça les a tués plus vite. Non, mais mon fusil à pompe, il est efficace. Oh là là, YouTube, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, du coup, j'ai plus rien. Je suis. J'ai plus que quelques munitions, mais plus grand-chose. D'accord. Trouver Samuels. Samuels, il est où? Il est dedans, c'est ça? C'est là-dedans que je vais aller? Je suis pas visé par contre. Allez, on va les buter là parce que bon, faut quand même pas déconner. Samuels. Ah mais c'est le droïde que Samuels a. D'accord, ok, c'est bon, je comprends. Suivre Samuels. Samuels est où? Samuels. Ça c'est d'accord, ok. Sixon synthétique. Ok. Comment vous
là je peux pas y aller et trouver SMS dans Sixon Synthetics. Je pense que techniquement, soit aller là, soit aller dans l'ascenseur. Bizarrement, je pense que l'ascenseur est une bonne solution. Bizarrement. Ascenseur en descente vers la salle d'orientation des androïdes. Suis les câbles au sol, quel est le rapport avec les câbles encore? Il n'y a aucun rapport avec les câbles là. Je sais pas où je vais là, mais il y a un ascenseur, donc j'imagine que c'est un endroit où il faut que j'aille. En vrai, ça va avoir aucun rapport. Je pense que ça n'a aucun rapport. Quoique. Ça marche pas. Super. Rien. Juste une sur cette station. La routine. D'accord. Bah écoutez, je pense que c'est bien là où il faut que Ouais. C'est le bon endroit. Ça me fait grandement penser à... Comment ça s'appelle ? Monster et compagnie, ces portes. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Merci à toi Maxence Bus de t'être... Buzz, je sais pas comment ça se prononce. De t'être abonné à ma chaîne. Alors, bienvenue dans l'équipe. Je ne sais pas ce que je dois faire. Monter... T'es pas une fillette non plus. Bah Riley, faut faire un peu plus de sport là, hein, parce que si même sauter un petit peu là, ça te va pas. Tu combats des aliens et tu sais pas faire des petits sauts là. Ça va pas du tout. Bon. Par contre, je vais peut-être me soigner là parce que. Je veux pas dire, mais j'ai carrément bien laissé fusil à pompe. Ok. Tout ça pour revenir là, quoi. Nouveau rapport dans le processeur d'Android. Ennemi proche. On a des victimes. Ouais, j'ai compris. Dorian, c'est fait. C'est fait. On vient de me signaler qu'un Android a été amené à l'APTC avec une lésion à la tête. Mais il est couvert de sang. Du sang humain. Ah, c'est bugué. J'ai alerté le Marshal et placé ma secrétaire en lieu sûr. Je me dirige en ce moment même vers... Je vais demander à Lambda de consulter Apollo. Il sait peut-être qui est le foutu responsable de tout ça. Nice. Alors... Mais non, mais pourquoi à chaque fois on... Ouais, on y voit bien que les droïdes ils sont en vie. Là. Ça, c'est évident. Ouais, bah tu vas éviter. Alors... Ici. Et oh, qui va là? Très bien, bah c'est pas moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Par contre, là, si on me trouve à travers le conduit, là, je pète un câble. Par contre, apparemment, il y a des alarmes partout. Alors, je vais vers où là? Merde. Je vais regarder dans l'autre sens, par là. Ok. Bon, YouTube, c'est tendu. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui. Je me rapproche. Je pense que le conduit, c'était une bonne idée. Je sais pas pourquoi. Pas sortir, j'imagine. On va reprendre le fusil à pompe. Je sais pas où on est, mais. Oh, des échecs. Là, je pense que si je bute ou si je me fais repérer, genre tous ceux qui sont là se réveillent. Je pense. Et pour vous dire très franchement, ça me ferait un tout petit peu chier. Alors, olé. Alors, hop, ça. 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 Non, je suis pas là.
pas là du tout. Samuels. Ah. Je suis heureux de vous voir en vie. Moi aussi. Le périmètre de sécurité d'Apollo a été conçu pour que seuls les synthétiques de Sixon puissent interagir avec lui. D'accord. Écoutez-moi, je vais devoir prendre des mesures plutôt radicales si je souhaite me connecter à Apollo. D'accord. C'est tout ? C'est tout ce que tu as à me dire aujourd'hui là ? Non, parce qu'on est un petit peu... Non, d'accord. Très bien. Bon, bah c'est tout ce qu'il a à me dire. Vous savez quoi, YouTube ? Fin de ce 15e épisode. La suite pour le 16e épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Tchou tchou, c'était Prodéod. À la prochaine. Ciao, bye bye.